Ils avaient sans doute remarqué ces petites structures noires installées sur les poteaux électriques. Ce sont des protections pour les oiseaux. Ils ont pour manie, dirons entre guillemets, de venir se poser sur les poutres. Et souvent au décollage, si la ligne n'est pas protégée justement par ce type de protecteur, l'oiseau a des chances de se foudroyer. Depuis une dizaine d'années, ERDF collabore avec le centre ornithologique du Gard afin de localiser les zones à risque. Le COGAR donc fait des observations sur les lieux de déplacement des oiseaux et nous signale en fait des endroits où les oiseaux viennent par exemple chasser et sur lesquels des lignes électriques peuvent représenter un risque pour eux. Et à partir de ce moment-là, on intervient pour protéger nos lignes du risque électrique pour les oiseaux. Aujourd'hui, c'est à quelques kilomètres des gorges du Gardon que les techniciens intervenaient. C'est le nouveau terrain de chasse de l'aigle Bonelli, une espèce en voie de disparition. En France, il reste une trentaine de couples. Il y en a trois dans les gorges du Gardon. Et en tout, dans le Gard, il y a quatre couples. Donc vu le peu d'effectifs, c'est vraiment une espèce prioritaire pour sécuriser son habitat. Ces types de protections ont permis de diviser le nombre d'électrocutions chez les volatiles de moitié.